Bonjour tout le monde, ici Picapuff qui c'est pour notre épisode de Horizon Forbidden West. Donc, comme j'avais dit, il nous reste un abri pour faire ça. Ou, on va faire l'abri. Tu as des pièces à vendre? Puis, on va se diriger vers le petit camp pour ensuite faire le gros camp. Ok, let's go. C'est tellement beau, là. La Tour Eiffel de Las Vegas. Je suppose. Ça va pas dire. Brise rock. Si c'est un brise rock spécial, je vais essayer de le tuer. Si c'est un normal, ça vaut probablement pas le coup. C'est dans les montagnes que nous allons. Qu'est-ce que j'entends? Ça a l'air des alliés, ça. Ont tué mes alliés. Je vais pouvoir continuer. Ah!
J'ai pas réussi à les sauver, ben heureusement. De valeur. Puis on a la base. Tant que telle, je sais pas qu'est-ce qu'on a comme ennemi dans la base. Un autre avant-poste rebelle. On m'avait prévenu de son existence. Je devrais éliminer leur chef. Parfois la Si je suis là. Il a l'air d'être là-bas, l'autre. On dirait qu'il va y avoir une side quest, ça, j'ai l'impression. Niveau 15. J'en compte encore deux humains. Il y en a probablement d'autres qui sont cachés. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Il y a des patrouilles dans le secteur. Je dois pas me faire repérer. La troisième. Qui que tu sois, je te trouverai. Moi, je pense pas. Où est-ce que t'es? On va y aller très discrètement. Si on est capable de détruire les deux robots, le robot, puis cette douille-là, ça serait parfait. Je l'ai pas pété. Mais quelle est cette... Shift encore là. Il doit pisser dans ses culottes là. Un casse est un petit peu plus difficile. Je peux m'en tirer. Ils sont pas les hauts level, c'est ça l'affaire. Je vais faire lui le niveau 25. Ça va aller. Pas d'intrus repéré.
doit être aux commandes. Le carreau nous a échappé au bosquet. Ça ne se reproduira pas. Il m'en a vraiment pas vu. C'est un chef à chier, m'a dit. J'ai fait une liste. Toutes mes rancunes sur nos vengés. Qu'est-ce que ça dit? Il est temps de chercher les plaques. Une clé. On doit pouvoir déverrouiller quelque chose dans les environs. Je parie que la clé peut ouvrir ce coffre. Ou encore d'autres plaques. Je dois les rapporter au bosquet quand j'aurai un moment. Nice. On m'a looté au moins ceux que j'ai tués. Hein. Il y a un mort là-bas. Oh, il a l'air mort, celui-là. Il a l'air plus puissant. Me tromperais-je? Ça me tente de m'essayer. On va être honnête, là. On va se battre quand c'est enfoiré. Plus rapide, vous direz, mais...
petit peu plus rough, on va te le dire. Je pense qu'on va mourir après ça, là. C'était rough. On a réussi. Il gagnait quelque chose. Il gardait quelque chose, en fait. Je vais t'en faire des réserves tant que je peux. Oh, des griffes. C'est en haut de la colline, cette affaire-là? Oh, ça a l'air d'être en haut de la colline, ouais. Je pense que je vois de la fumée. Ok, ça c'est fait. On peut aller ici. Ça donne des morceaux, c'est le fun. Il nous reste que ça à faire. Puis on va avoir fini le désert. Après ça, on va pouvoir faire la quête principale. Aller chercher Poséidon. Et je suis pas mal sûr qu'il n'y aura aucune embûche sur notre chemin pour le faire. Donc, laissez-moi juste regarder la météo dehors. Parce que j'ai pas envie d'ouvrir ma fenêtre. Puis que la chaleur rentre. Donc c'est un kit tout double que je suis en train de faire. Soit je meurs de chaleur ou j'ouvre la fenêtre. Parce qu'on a eu un orage il n'y a pas longtemps, donc je sais pas si ça s'est peut-être adouci. Il y avait des annonces de tornades. C'est rare, là, mais ça peut arriver au Canada. Ma soeur en a déjà vu une. Petite, là, mais malheureusement, il y a un monsieur qui est mort aussi d'une tornade au Canada. Il y avait... Je me rappelle plus c'était quoi... Je pense qu'il avait été dans son cabanon, puis ça s'est effondré sur lui. C'est malheureux. On sait jamais comment on va partir de ce monde. 15 degrés, ce qui est raisonnable. Je vais donner un go à ma fenêtre. Ah oui, une bonne brise. Parce que je ferme ma porte pour faire des bruits, parce qu'il y a du monde qui dort chez nous. Donc, j'ai plus d'air climatisé. Puis la PS5 fait beaucoup de chaleur, donc... Ben, la PS5, mon ordi, tout qu'est-ce qui marche, là. Ensemble, ben, ça fait de la chaleur, mais on ne veut pas, fait que... De rebelles. Le ratisseur au Céram disait vrai. Mais il a oublié de préciser qu'il se trouvait sous un Horus. Qu'est-ce qu'ils font ici? Je sais pas.
Y'a-t-il des hautes herbes proches? Il y a un party dans ça, là. Quand même des cochons pour partir. Ah oui. Je dois être prudente. Je dois rester distante. Peut-être que je fais une quête. Étreinte du diable. Attendre qu'il passe. Il y a beaucoup de monde. Les trois qui sont là. Qu'est-ce qui vient d'apparaître dans ma chambre? Une petite mouche. Elle est là. Où est-ce qu'elle se cache? Une bestiole qui est rentrée dans ma fenêtre. Puis là, ça me gosse parce qu'elle vole haut devant ma TV. Il y a trois doubles. Champion rebelle. Ils ont toutes des maudits casses, ça me gosse. Approche-toi, puis ça va voir si je suis là. Tout simplement. Je vais tuer tantôt, maudite moche. Allez. C'est un casque que t'as, toi et tout? Non, je pense qu'elle a pas de casque, elle. Là, tu
sûrement l'œuvre de l'étranger. J'entends beaucoup de sons. Je sais pas c'est quoi. Y'a-tu tant d'ennemis? Je suis entrée. Si je veux comprendre ce que mijotent ces gens, je dois trouver la personne qui commande. J'aime pas beaucoup cet endroit. Il y a plus de sang. Restez vigilants. Voilà, oh, petit à petit, je faisais. En haut. Peut-être tenter de le tuer. Ah, c'est quand même une mouche. C'est une mouche à marbre. Corrupteur. Est-ce qu'il y en a dans le jeu des corrupteurs? Je pense pas, moi. Je pense qu'ils ont carrément arrêté les corrupteurs. C'était le plan d'Hadès, ça, puis là, c'est plus dans le jeu. Je peux peut-être essayer de d'anéantir cet enfoiré. Il y a personne. On arrête les recherches. C'est le chef, ça? Quelque chose à signaler? Je suis un peu nerveux. J'ai besoin de m'entraîner. T'as vu? Aucun signe d'un intrus. Désolé. Vos salaires. J'en ai deux là. Je sais pas comment je vais faire pour aller chercher ça. J'en ai deux là.
Pour faire des bruits, je vais les tuer silencieusement. Il n'y a pas énormément de plantes dans la base, par exemple. Gotcha. On doit rester vigilant. Il n'y a rien à faire. Oh, le cochon, il fait dodo. Une. C'était facile, ça. Faut s'alerter, voir quelque chose. Restez vigilant, au cas où. Est-ce que lui a un. On doit rester vigilant. J'étriperai n'importe quel. Hein? Éteint. On a un homme à terre. C'est sûrement l'étrangère. On te voit. Je crois qu'elle est de retour. Je vois rien. Je ne suis point là. Non. Vous ne me voyez point. Je suis telle une ombre. Elle est là. Rien par ici. Aucun signe d'un intrus. Désolé. Restez vigilant. On a peut-être raté quelque chose. J'en ai un là, j'ai une fille là-bas, j'ai le gars sur son vélo. Je pense que je vais. Puis il y a le chef que j'ai pas trouvé. Mais c'est immense là, j'ai juste peut-être fait ça et ça, pis ça. Là. Tout ça à faire là. Ah, oh, c'est peut-être lui le chef. Non, oh, c'est un autre champion rebelle. L'autre, je les aime moins. Ça me fait pas de mal. Va revenir faire sa tournée ici. Je m'attendais pas que le Gallow Gift était aussi proche. Je
Oh, je mange aucun dégât là. Champion. Champion. Cette machine ne craint pas la cible. Je veux des deux parties. Plus d'erreurs. Et où la mouse? Crime, j'essaie de pogner sa tête. Reste quoi là? Deux? Ok, il en reste deux. Conquérant, soldat rebelle. J'ai pas trouvé de chef encore. Ils ont maîtrisé des machines avec ça. Et ce marteau, il a aussi un module de piratage. Mais différent du mien. Je crois que les rebelles se servent de ça pour pirater les machines. Donc, si je m'en débarrasse,
Les rebelles en auront moins. Quoi faut que je fasse? Trouver le chef, trouver l'entrée de la zone fortifiée du camp, détruire l'équipement de piratage. Ah, il y a le chef. Non, c'est même pas le chef, ça. Il me voit pas. Le chef, il est l'autre bord de ça. Oh, descends. Ok, je pense que j'ai tué tout le monde à l'extérieur. On peut s'occuper du monde à l'intérieur. C'est un bon plan, ça. Comment tu veux que je détruise ça? Ça va compliquer la tâche des rebelles s'ils veulent plus de machines pour leur armée. Je dois trouver qui commande. Et m'assurer que ce lieu ne leur serve plus à rien. Il y en a encore trois. Je crois que c'est de là qu'il commande le camp. Le style mouche va la tuer. Après cet épisode-là, là. J'en vois trois, je crois. Y a-t-il un casque, lui? Bien temps. Voilà. Elle est où maintenant? J'ai quasiment envie de la tuer, le gros. Lui, il reste là, comme un trou de caille. Moi, c'est le gros avec le gun, je vise en premier. Hein. Ou je peux tout simplement tuer l'autre quand l'autre est assez loin. On arrête les recherches. Pas l'air de sortir, ce chef-là, hein? Est-ce qu'il se bat ou y a-t-il des armes? Oh, il y a l'air d'avoir des armes. Tes sont là. Je ferais mieux de jeter. Stealth. Mode activated. J'étais où quand j'ai tué le dude? Oh, il était là.
Voyons ce que je peux faire avec ça. Encore une de ces choses. À tous les agents et ingénieurs, revenez immédiatement à la Prime Forge. Apparemment, aucun d'entre vous n'est capable de s'occuper de cette satanée Nora. Alors on va opérer d'un lieu qu'elle ne peut pas atteindre. Et si jamais elle y arrive quand même, j'aurai le plaisir de pouvoir la tuer personnellement. Bonne chance, sauveuse de Méridien. Acera a une base. Si je la trouve, je pourrai porter un sérieux coup au fils de Prométhée. Qu'est-ce que vous préparez d'autre ? Des ordres visant à augmenter le nombre de machines capturées et piratées. J'aime pas ça. Un module de piratage, comme le mien. Il a été modifié. Yeah. Être installé dans une machine pour fonctionner. C'est à ça que sert cet équipement dehors. Il perce le blindage d'une machine et insère le module pour la pirater. Donc les rebelles pillent d'anciens corrupteurs dans cette zone pour trouver des modules de piratage. Et j'imagine que les fils de Prométhée les modifient pour pouvoir les placer de manière permanente dans les machines. Ils ont pour ordre d'en pirater encore davantage. Ça va être compliqué avec leur équipement détruit. Je peux partir, ou bien je peux m'occuper du reste des rebelles. En tout cas, j'ai déjà contré la menace principale. Ça, c'est fini. Fait qu'il nous reste à aller là. Right. Potion purifiante. Je vais peut-être commencer l'arbre des... Chef des machines, t'as... Défense montée. Subissez moins de dégâts sur une monture. Piratage durable. Augmente la durée pendant laquelle une machine reste piratée. Dégâts des machines. Les machines piratées infligent plus de dégâts. Piège à pic. Lancez un pic qui se transforme en piège lors de l'impact dans l'environnement. Le piège charme pour un certain laps de temps. Pic propulsé. Lancez un puissant pic à longue portée qui explose à l'impact. Santé des machines. Les machines piratées possèdent plus de santé. Bois. Déplacez-vous plus rapidement lorsque vous utilisez une arme lourde. Ah, ça, ça pourrait être utile, par exemple. Ça pourrait être très utile. Je dois l'admettre. J'ai quasiment pas utilisé de soins dans cette... Je suis très satisfait de mon... de ma run dans ce camp-là. Je suis pas mal sûr. Il y a plein de monde qui aurait pas fait pas aussi mieux que moi. C'était magique. C'était vraiment le fun. C'était vraiment une sensation formidable de... Ah, il est là. Une sensation de fun, genre de faire un camp de même complet, sans te faire repérer quasiment. Formidable. Bon, on a tué tout le monde, pourquoi qu'il y a de la musique? Tour de l'arme. Qu'est-ce que je dois faire ici? On dirait qu'il y a quelque chose derrière cette... Des gens? Oh, c'était pas loin.
J'étais à deux doigts. De te noyer, peut-être. Mais pas des braises. Morlund, c'est fini. Je m'avoue pas vaincu. Alors tu vas mourir, tout seul. Parce qu'on ne tient pas à rester là, à repêcher ton cadavre. Ça suffit. Un nouvel ami qu'on va se faire. Et c'est tout le destin du visionnaire, en place dans la balance. Choisira-t-il la vie, ou succombera-t-il à ses mortelles illusions ? Bonjour. Alors, il y a une ville perdue sous le sable, mais elle est inondée. Apparaît alors une Nora armée d'une lance. Oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est ça ? Vous n'êtes pas des ratisseurs classiques. C'est évident. Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai baptisé Bulle de plongée. C'est la version 1. La version 2 était mieux, mais elle s'est retrouvée coincée à mi-chemin. Le tube s'est pris quelque part. Tu es descendu avec ça. Oui, je ne m'attends pas à ce qu'une non-initiée... Parce que c'est très malin. Désolé, mais bon, je te rappelle que tu t'es retrouvé coincé et que tu as failli te noyer. Mais ça doit être facile à transporter. Une rotule de machine, peut-être ? Il faudrait un filtre. Une membrane synthétique ferait l'affaire. Avec un tuyau relié à une capsule d'air comprimé. Par mes tenailles. Comment ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Viens par là. C'est une étrangère. Tu as un nom ? Aloy. Morlund. C'est plus une étrangère. Ça l'aime bien, lui. Viens. J'ai des vieux schémas pour toi par ici. Oh, attends, j'ai deux ou trois questions avant. Je t'écoute, partenaire. Partenaire ? Ignore-le. Qu'y a-t-il de si important là-dessous pour risquer ta vie ? Eh bien... Morlund, je suis pas là pour faire de la récup, d'accord ? Tout ce qu'on pourra trouver sera à toi. Très bien. Et si je te disais que nous sommes à la recherche des trésors les plus incroyables jamais découverts ? Je répondrais, va droit au but. Pragmatique. Ça, ça me plaît. Admire. C'est une braise. On dirait juste de la ferraille. Là, oui. C'est qu'est-ce que j'ai ramassé pour lui ? Ok. Ces créations spectaculaires des anciens dessinent de magnifiques motifs dans les airs. Et les ruines sous nos pieds en sont remplies. Une véritable merveille qui dépasse les mots. Comme me l'avait promis grand-mère. Ok, fait que c'est à lui que je dois donner ces affaires-là. Comment ton grand-père a-t-il découvert ces braises ? Il est venu là, il y a à peu près 40 ans. Il fut l'un des tout premiers à lancer une expédition à l'ouest. Il a découvert la cité qui nous entoure. Sondé les profondeurs de cette structure, il a atteint la cavité pour tomber sur un trésor de braise. Il en a remonté autant que possible. Il a toujours voulu revenir ici, mais bon, il n'avait pas les éclats. Son rêve avec les braises, c'était de monter un magnifique spectacle. Une expérience vraiment inédite. Un sacré bonhomme. Un ratisseur doué. Doublé d'un artiste. Il me manque. Mais je vais le rendre fier. Je rassemblerai les braises et je montrerai un spectacle, le plus grand qu'on ait pu voir. Avec ton aide, bien sûr. Et donc, ces braises créent des images ? De lumière pure. C'est extraordinaire. Celle-ci, elle montrait la plus jolie femme que j'ai jamais vue. Elle invitait tout le monde à profiter d'un succulent buffet de bœuf et de homard. Oh. J'ai bien dû la regarder une centaine de fois dans l'atelier de mon grand-père. Mais elle marche encore ?
Elle s'use avec le temps. J'ai pleuré le jour où celle-ci s'est éteinte. Mais il y en a bien d'autres là-dessous. Tu verras si tu vas jeter un œil comme je l'ai fait et comme mon grand-père avant moi. Et il s'est passé quoi en bas exactement ? Un ratissage sans nul pareil. Une chance de marcher dans les pas de mon grand-père. Sous cette structure se trouve une immense cavité, un dôme, bien à l'abri du sable. Nous avons construit l'ascenseur ici pour remonter plus facilement. Un sacré engin, il faut le dire, et pas facile à... Oui, je vois. Et ensuite ? C'est tout au fond que nous avons découvert le trésor de mon grand-père. D'innombrables images dans les airs d'une grande variété. Des femmes qui dansent, des jeux et des jetons, des promesses de jackpot. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être bien. Et c'est là, des annonces. Des ads. J'ai l'impression. Les images sont devenues aquatiques, avec des vagues et même des poissons. C'était comme une espèce de songe sous-marin. Celui de Poséidon. Oui. Et tout à coup, un bruit assourdissant a retenti. Et un véritable torrent d'eau a jailli du sol. Donc l'eau est sortie du sol et a tout inondé ? Des trombes d'eau comme je n'en avais jamais vu. On a pris nos clics et nos claques, et on a pu rejoindre l'ascenseur de justesse avant de finir emporté. Secoué, mais déterminé, j'ai construit les bulles de plongée version 1 et 2. J'ai tenté de plonger avec et j'ai failli me noyer à chaque fois. Abaddon est hors de lui. Il pense que je suis fou. Mais je n'abandonnerai pas. Je touche au but. Je sens que j'ai les braises à portée de main. Eh bien, je peux peut-être t'aider. Oui. C'est bien possible. Vous n'avez pas l'air de vrais ratisseurs. Parce que nous ne sommes pas ratisseurs, mais artistes. Comme des acteurs ? Les Nora, votre peuple et l'art, ça fera toujours d'eux. Nous donnons des spectacles, dans la requête tout entière. Stémur conte des histoires que j'améliore avec toutes sortes de bruitages et d'autres effets. Abaddon, de lui, eh bien... Il se plaint. Il gère l'argent, ce qui revient un peu au maire. On ratisse pour récupérer du matériel artistique. C'est pour ça que ce ratissage est le plus important de tous. C'est très profond. Je peux pas simplement plonger. Sans branchie, tu ne peux pas. Ça doit faire 50 fûts de profondeur. Il n'y a que les Léocéram pour mesurer quelque chose en fût. On parle de liquide. Ça tombe bien, non ? En tout cas, je ne pourrais pas retenir mon souffle. Si. Grâce à cette invention. Je ferais mieux d'aller chercher ces pièces. La version 2 contient une capsule d'air comprimée intacte, mais comme je l'ai dit, elle est coincée en bas. Si tu as pu en ressortir vivant, je devrais pouvoir nager jusque-là. Parfait. Pour les autres pièces, Stémur a vu un troupeau au sud qui devrait avoir ce qu'on cherche. Je m'en occupe. Bien. Reviens quand tu auras ce qu'il faut. Et bonne chasse. Ok. Fait que si je peux respirer dans l'eau, je vais pouvoir aller là. Y a-t-il d'autres places avec de l'eau que je pouvais pas aller? Il y avait la caverne ici. Je sens qu'il y avait des marécages. Ici, là, je pense qu'il y avait quelque chose. Grotte engloutie. Il y avait la grotte engloutie, oui. Oui et non, parce qu'il manquait quelque chose. Il manquait un levier ou quelque chose de même. C'est plus les points d'interrogation qui m'intéressent plus. Outils. Je pense qu'ils vont me le dire.
vraiment quelques des affaires que je vais pouvoir faire. C'est comme ça, j'ai chemin bloqué, je l'ai pas. Chemin. Les pavés margés, je l'ai pas. Petite affaire de même. Mais la majorité, c'est à cause des fleurs, principalement. Les fleurs? Ça va être probablement Déméter qui va me permettre d'enlever les fleurs. Ah! Tout a l'air d'avoir quelque chose de logique. Je peux essayer de plonger? En fait, non, j'ai arrêté l'épisode ici. Après l'épisode ici, on va continuer dans quelques secondes. Moi, je vous dis merci d'avoir été tout le monde, pika pika à tous, et à la prochaine. Le jeu est